Alors, on est à 58 jours des Jeux Olympiques et une bonne nouvelle, hein, de nouveaux billets vont être mis en vente tous les jeudis et ça commence demain. Tiphaine Dubuard, je pensais que tout était déjà parti, moi, mais en fait, le comité d'organisation avait gelé des milliers de places. Effectivement, plusieurs centaines de milliers de places sont concernées par ce dispositif. Premier round, demain, 10h, 40 000 billets seront en vente. Il s'agit principalement de places pour les Jeux Olympiques et en grande partie pour des épreuves qui n'étaient plus disponibles à la vente depuis plusieurs mois. Par exemple, Céline, les soirées de finale d'athlétisme au Stade de France à partir de 85 €. Pour les fans de sport collectif, il sera possible d'acheter son billet pour voir l'équipe de France de rugby à 7 avec Antoine Dupont dès 90 €. Et des places pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture des Jeux devraient également être mises en vente, mais en petite quantité. Il faudra donc être très rapide. Ces places viennent s'ajouter aux billets qui sont déjà en vente sur la billetterie officielle. 1 million sans compter les Paralympiques. Et ça commence demain, c'est ça, à partir dès demain, 10h. Okay. Merci Tiphaine Dubuard du service Économie d'Europe 1.